Ouais, je suis matinal, ouais. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je crois, de l'ordre de 4 heures par là. Mais c'est pas grave, ça va, ça va. J'ai très envie de pisser, mais ça va. La nuit était plutôt bonne, tout petit peu mal au dos, mais. Ça, c'est normal, hein, quand on dort pas dans un lit qu'on connaît. Voilà, là, je vais aller petit-déj avant. Enfin, avant tout le monde, peut-être pas, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui sont levés, mais. Ouais. Je vais aller au petit déjeuner, moi. Et après, direction la Néocast. Ça y est, mon petit déjeune avec Poupi, ma seule amie. Je n'ai pas d'autres amis aujourd'hui. Mais alors, les œufs, on dirait qu'il y a un enfant qui a bavé dedans en fait. Ouais, c'est bizarre. Hey, ça y est, on est arrivé à la Néocast. Ça ouvre dans. Ah bah ça va ouvrir. T'es en dédicace dès maintenant là. Alors attends, je vais regarder le planning. Non, parce qu'elle a des horaires dédicaces que moi je n'ai pas. Vous voyez, Romantic Time, Didi sur Doudouille, sauf que Didi n'est pas là. Donc je suis tout seul. Je suis Didi. Et moi j'ai pas d'horaire. Ouais, bah putain, je peux aller à côté du Grand JD un coup, puis après j'irai te voir et tout. Bref, allez, c'est parti. Il fallait que quelqu'un soit malade en pleine convention. C'est moi. Symptôme grippal. C'est pas grave, tout va bien. Bah du coup j'ai du monde aux dédicaces mais je peux pas y aller, je suis un peu trop fébrile. Du coup je suis assis. Et j'attends que ça passe. Hey, il est long avec en fait ces gens. Hey, je suis avec des gens. Et j'attends pour Axolot parce que j'ai des trucs à lui faire signer, vous voyez. Voilà. Mais il prend beaucoup de temps avec ses abonnés, du coup c'est un peu long, mais ça va un peu mieux pour moi. Mais pas terrible, on se revoit tout à l'heure. J'ai fait quelques dédicaces. Je suis avec Alix. Alex, membre du staff. Et je suis seul parce que. C'est la pause pipi. Oui, mais elle est pas là, la pause pipi. Et Didi, il est pas là parce que c'est chez Chaton, ils accouchent. Du coup, je suis tout seul. Même demain, je serai tout seul. Je suis tout seul. Non, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, allez, vas-y, je vais faire ça avec des tanks. Je vais demander à l'armée. Je lui dis, ça va jamais passer. Et finalement, j'ai demandé. Et là, c'est à voir, ouais, pas de problème. C'est passé. Ah, ok. C'est passé gratuitement. Ça a passé gratuitement. C'est l'heure du goûter. Du goûter presse. Et après à 20h, il y a un truc où il y a 50 abonnés qui ont gagné un droit de passage, on va dire, pour être avec nous, la star. Après, il y a un bar privatisé, mais pas pour moi. Rien à raconter d'intéressant. Journée fatigante parce que la grippe. Et puis sinon, là, Cyprien. À plus tard, merci. Au revoir, merci. Les 50 qui ont gagné, enfin 56 sont en train de rentrer dans le truc. Et il y a Monsieur Canon, enfin un Monsieur Canon. On aime Canon. On aime Romantic Time. Ah, je vais avoir une Canon les grilles à gratos. Je suis arrivé à ma chambre d'hôtel, toujours tout seul et toujours enrhumé. Je vais me prendre un petit bain parce que j'ai vraiment, vraiment besoin de rétablissement. Et le vlog aura peut-être un peu du retard parce que j'ai pas eu le temps de le bosser, je suis rentré très tard dimanche. Je vais donc prendre un bain et peut-être qu'après je vais aller boire un coup au bar, c'est pas sûr encore, mais je suis tellement fatigué. Mais demain on se lève un peu plus tard donc ça devrait aller. Bah comme vous avez vu, ma journée était un pas terrible, pourquoi? Parce que j'ai vu beaucoup d'abonnés, mais vu que j'étais pas très bien, c'était pas facile de gérer ma santé, je me suis pris un gros coup de grippe un peu chaud, mais franchement ça va aller, ça va aller. Bref, je vous laisse, je vais prendre mon bain. Hey,
vient d'arriver à la zone VIP. Fait chier parce que ils nous ont fait rentrer. J'adore le sectionnel. Oh putain, mais pourquoi t'es toujours là, toi? Ça va, mon gars? Et du coup, on est rentré après les visiteurs, donc c'était bon, ça va, il n'y a pas eu d'attroupement non plus, mais enfin bon, dédicace, j'y vais dans 20 minutes. Là, on se pose, on boit un petit coup. Je suis au dédicace, je suis malade, mais je viens voir quand même mes abonnés. Regarde, allez. Ah, j'ai un sourire en mode. Hey, vous pouvez... Ouais, il y a les trois jeunes hommes là, alsaciens, et puis il y a encore un petit peu de monde là. Il n'y a pas énormément de monde parce que j'ai pas d'horaire, c'est un peu au compte-goutte. Enfin, je me suis noté des horaires, mais je suis très malade. Ça y est, j'ai fini mes dédicaces de la journée, j'ai rencontré pas mal de monde. J'ai beaucoup papoté avec Hunter Fischer, très sympa ce mec, très sympa. Là je vais aller voir un petit peu le stand Canon et puis me reposer parce que j'ai le nez bouché, il y a beaucoup de route à faire encore tout à l'heure. Mais c'était très cool, un très beau week-end. Placement de produit un petit peu, hein, mais c'est le stand Canon. Voilà. Et il y a des photos qui seront tweetées sur le site, le Twitter de Canon. Je vous inclus juste dans mon vlog, voilà. Ah non. Ils sont marrants et tout. Ah ouais, non, ouais, ouais, non. Appuyez sur la petite fiche là. Ah oui, les minutes, nous faites la pub. Non, mais ça ramènera pas grand chose. Le vlog, c'est pas énorme, mais. Voilà. C'est très rare, j'ai même pas fait ça avec Antoine Daniel, alors du coup. Hop. Regardez qui c'est qui est venu. Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Fastfood Cuisine. J'étais venu pour te demander un snap en tant que fanboy. Mais... Alors je disais, regardez, je suis avec Poppy et Unstore Bleacher. Putain, c'est bon, je trouve les bleus au début des points. Écoute, je vais vendre ça comme mon opticien me les a vendus. Ça polarise les lumières avec certaines longueurs d'onde. Oui. Ça fatigue moins les yeux. Oui. C'est du génie, monsieur. Vous êtes souvent sur un ordinateur. Oui, c'est mon travail. C'est le signe. Très bien. Du joule, non ? Oui, mais c'est ce que je leur ai dit en plus. Enfin bref, voilà, c'est la fin de la convention. On va rentrer sur Grenoble en voiture. Alors je vous dis au revoir. Dites au revoir parce que du coup je clôt tout ça. Au revoir, Néocast. Bye.